L'Égypte, fascinante et mystérieuse. J'ai toujours eu envie de naviguer sur le Nil, le fleuve sacré des anciens pharaons. Mais voilà, avec mon goût extravagant pour le luxe et le romanesque, je ne rêvais que d'un seul bateau. Le steamer sur lequel voyageaient Hercule Poirot et tous les personnages des romans d'Agatha Christie. Un bateau imaginaire, donc. C'est du moins ce que je pensais, jusqu'au jour où j'ai découvert que le vapeur de mort sur le Nil existait vraiment. Magnifique. Le MS Soudan est exactement comme je me l'étais imaginé. Délicieusement rétro. Me voici donc à bord pour une croisière de 5 jours entre Louxor et Assouan. Une croisière? Disons plutôt un voyage dans le temps. Sans me prendre pour la nouvelle reine du polar, j'ai quand même mené ma petite enquête avant d'embarquer. C'est comme ça que j'ai appris que le steamship Soudan a été lancé en 1921 par Thomas Cook, l'inventeur des croisières sur le Nil, et que c'est en 1933 qu'Agatha Christie est venue à bord. Quand on le redécouvre au début des années 2000, le glorieux vapeur n'est plus qu'une épave abandonnée sur les bords du Nil. Mais le vieux steamship est béni des dieux. Après 50 ans d'arrêt, ses moteurs et ses roues à aubes se mettent à nouveau en action. Un vrai miracle. Entièrement et fidèlement restauré, le Soudan a donc repris ses croisières sur le Nil, comme à la belle époque. Un petit bijou dont parle avec passion Amir, son directeur, et en français s'il vous plaît. Vous savez que le seul bateau qui navigue avec la vapeur jusque maintenant, c'est le Soudan. Même il a été construit en 1885. Notre machine à vapeur, c'est d'origine complètement avec les mêmes pistons, les mêmes techniques. La seule chose qu'elle a changé, qu'elle était les eaux de fuel à la place de la charbon. Oui, je sais, Amir a un peu tendance à exagérer, mais il parle avec son cœur. Alors, 1885 ou 1921, qu'importe la date de construction du Soudan, la machine fabriquée en Angleterre est une véritable œuvre d'art. Je pourrais passer des heures à observer la danse des pistons, à écouter le chant de la vapeur. Encore quelques jours et j'échange mes robes de soirée pour une tenue de mécanicien. Diplomate, artiste, homme d'affaires. À la belle époque, le Soudan accueillait à son bord un tas de célébrités. Mais de tous les passagers, les rois d'Égypte étaient les plus prestigieux. Ah, j'aurais vraiment aimé être là pour vivre ça. Ce bateau était lésé par la famille royale égyptienne, le roi Fouad et le roi Farouk, son fils. Et l'ionique parce que aussi le bateau royal, le seul bateau royal sur le Nil. Ce bateau, c'est l'unique aussi à grâce de la grande attention qu'on fait ici pour nos visiteurs. Comme me l'explique le guide du bateau, c'est au milieu du 19e siècle que Thomas Cook lance ses premiers vapeurs en Égypte. L'ouverture en 1869 du canal de Suez va être déterminante. La haute société britannique en mal d'exotisme oriental s'installe alors chaque hiver sur les bords du Nil. Imaginez. Des femmes en robes longues et crinolines, accompagnées d'officiers de l'armée des Indes en uniforme, débarquent des steamers et se rendent en calèche au grand bal donné chaque soir dans les palaces de Louxor et d'Assouan.
rêve était de voyager à bord du Soudan. C'est maintenant chose faite. Mais il me reste à vérifier si le bateau est aussi confortable, luxueux et fidèle à la description qu'en a faite Agatha Christie. Dans le poste de pilotage, la grande barre a été naturellement remplacée par un petit joystick. Mais côté look, le Raïs, le commandant, porte toujours, fort heureusement, la djellaba et le turban. Avec son plancher en vieux bois de teck et son mobilier en palme tressée, le Pont Soleil est l'observatoire idéal pour découvrir la vie qui s'écoule sur les rives du Nil. J'ai la faiblesse de penser que rien n'a vraiment changé depuis 1933 et la croisière qu'Agatha Christie effectue alors en compagnie de son mari, l'archéologue Max Mallowan. Le protocole est resté très british, je sacrifie donc au tea time. Mais si je m'approche du bar, c'est avant tout pour admirer le costume des serveurs, coiffé d'un tarbouche éclatant. Avant même de découvrir les cabines et les autres lieux du bateau, je comprends que le luxe made in Soudan est avant tout une question d'authenticité. Sur ce bateau qui va bientôt fêter ses 100 ans, Amir s'applique à recréer l'atmosphère et l'ambiance des voyages d'autrefois. Quand vous montez sur un escalier comme ça, quand vous marchez sur un poids d'origine comme ça, on regarde toujours les choses anciennes, toujours le coton, jamais des plastiques, jamais des choses modernes. Vous ne trouvez pas des TV dans votre chambre, non. Et vous ne trouvez pas des frigidaires, mini-bars, non. C'est ça, c'est l'ambiance. Il y a 18 cabines et 5 suites à bord du Soudan. Elles évoquent toutes l'esprit de la belle époque, mais chacune à leur façon. En ouvrant une à une les portes de ces petits mondes secrets, Barbache, le chef des cabiniers, m'a expliqué que la décoratrice a chiné pendant des mois dans les rues du Caire pour trouver les meubles et les petits accessoires destinés à personnaliser chaque cabine. Chaque cabine porte le nom d'une personnalité liée à l'Égypte. Champollion, la reine Victoria, Alexandre le Grand, Howard Carter ou bien encore Hercule Poirot. Le petit détective belge aurait sans doute apprécié le confort et le style très british de cette cabine. Préciser que dans les années 1930, à l'époque de mort sur le Nil, le Soudan transportait beaucoup plus de passagers. Les cabines étaient donc 4 fois plus petites. C'est également le cas de la cabine Ferdinand de Lesseps. Ferdinand, vous savez, l'homme qui a percé le canal de Suez. Plancher en bois blond, lit en cuivre richement ouvragé, tissu coloré. La belle époque revisitée par le Soudan possède un certain charme. Au début, dans ma cabine, ou plutôt dans ma suite, je l'avoue, j'ai cherché la télécommande de la télévision. Amir a raison. Le vrai luxe, c'est de pouvoir se passer du superflu pour se préoccuper uniquement de l'essentiel. Après avoir visité presque toutes les cabines, je suis incapable de vous dire quelle est ma préférée. Et si c'était la dernière, celle vers laquelle se dirige Barbache. Ici, nous sommes dans la suite numéro 20, la suite Kalsoum.
C'était une chanteuse très célèbre. Il y a une autre suite, la suite Farouk. C'était le roi de l'Égypte et du Soudan. Chaque cabine, chaque suite porte le nom d'une célébrité. Le Steamship Soudan a reçu de nombreux voyageurs célèbres. Comme vous voyez, au niveau de l'ameublement, vous avez un magnifique lit d'époque. Dans la suite, tout est d'époque, comme le téléphone, les tissus, le parquet. Cette commode a été fabriquée à la main, pas dans une usine. Tout ce qui nous entoure n'est qu'antiquité. Tous les lits à bord, comme ici, sont des antiquités, des pièces uniques, qu'on ne trouve plus. Cela a plus de 120 ans. Chaque cabine a un style propre. Aucune ne se ressemble. Et la suite numéro 20 est l'une des plus grandes. Le voyage se poursuit avec la lenteur qui convient. À l'ombre des larges coursives du Soudan, j'admire le paysage et je rêve. Je suis la reine Hatshepsut allant au pays de Punt. Je suis Cléopâtre installée sur son trône doré à l'arrière d'un bateau manœuvré par plusieurs dizaines d'esclaves nubiens. Je suis Agatha Christie écrivant les dernières pages de Mort sur le Nil. Je suis une romantique incorrigible. Amir, qui a vite compris mes aspirations romanesques, m'a installée dans la suite numéro 1 située tout à l'avant du bateau. La suite Agatha Christie. Ah, ces orientaux, ils savent parler aux femmes. La reine du roman policier n'a sans doute jamais voyagé dans cette suite, mais je suis certaine qu'elle aurait aimé ses lits en bois doré et ce meuble aux courbes féminines. Buvant un verre de Karkadeh, le jus d'hibiscus dont raffolent les Égyptiens, je passe de longues heures à observer le paysage à l'histoire millénaire qui défile sous mes yeux. Je m'active à ne rien faire, l'équipage du Soudan s'applique à faire briller les cuivres. Cela fait déjà plusieurs années que le Soudan navigue à nouveau sur le Nil, mais sa silhouette d'un autre âge éveille toujours la même curiosité. Une odeur de bois ciré, des fauteuils tendus de tissus colorés balayés par les rayons du soleil couchant, le salon est l'endroit du bateau qui éveille avec le plus de force l'atmosphère de la belle époque.
Ici, dans ce salon, on accueille nos visiteurs avec le poisson d'accueil très traditionnel qui s'appelle le carcadet. Puis ici, dans le salon, c'est le moment d'accueil, le moment de lire pour les clients, aussi le moment qu'on fait la présentation, qu'on profite d'expliquer l'histoire complètement du bateau, la date de construction, les visites d'Agatha Christie, le tournage du film d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Ça fait tout ici dans le salon royal. À mon avis, je sens que les clients et les viandes qu'on élevait vivre un peu dans la Belle Époque. Plus les jours passent, et plus je prends goût à la douceur de vie orientale et au charme indéfinissable de ce bateau surgi du passé. Quand le jour s'achève et que le soleil embrasant le ciel donne aux eaux du Nil la couleur de l'or, le Soudan n'est plus seulement le steamship gardien de la mémoire des voyages de la Belle Époque. Il redevient le bateau sacré du dieu soleil qui rythme depuis la nuit des temps la vie spirituelle des Égyptiens. La croisière n'est pas terminée, mais dans ma collection de voyages à bord de bateaux de luxe, le Soudan occupera une place vraiment à part. Il n'a pas seulement été le décor confortable et authentique de ma petite aventure romanesque dans le sillage d'Agatha Christie, il m'a d'une certaine façon apaisée. Moi qui d'ordinaire suis plutôt turbulente, me voici contemplative devant les merveilles de l'Égypte ancienne. Cette fois, je suis définitivement conquise. Oubliez Agatha Christie, ses dentelles et ses ombrelles. Je suis Scheherazade, en voyage sur le plus beau bateau du Nil. Depuis que j'ai embarqué, Amir n'a cessé de me le répéter. À bord, vous êtes une princesse. J'ai beau savoir que dans quelques jours, je vais retrouver mon petit studio parisien, ça fait quand même quelque chose. Quelle est la raison de venir ici sur un bateau royal et recevoir des services normaux? C'est pas logique. Je dois venir ici sur un bateau royal pour vivre comme un prince et comme une princesse. Pour recevoir aussi service unique, service royal, on cherche le plaisir de chaque visiteur.
la fin de chacun de mes voyages, je sors mon petit calepin de moleskine rouge pour prendre quelques notes. L'accueil de l'équipage du Soudan a été irréprochable. Les cabines, nostalgiques à souhait. Il me reste à faire l'expérience du restaurant. Même si je ne suis pas venue à bord du Soudan pour faire des dîners gastronomiques, j'ai découvert chaque soir les délices de la cuisine égyptienne. Après 4 jours de navigation depuis le départ de Louxor, j'arrive à Assouan. Plus de 300 bateaux naviguent sur le Nil, mais aucun d'entre eux n'a le charme, l'élégance et la poésie du steamship soudan.